des attractions en Europe partout, comme indiqué en bas de la vidéo. Ça parlera du top 5 des attractions en Europe partout. Il y aura Petite Vinland Theme Park en Turquie, Petite Fantasyland en Allemagne, Petit Parc d'Astérix en France, Petit Faux Tivoli Garden au Danemark et Petit Fail Alton Tower en Angleterre. Alors, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Prenez bien du popcorn, prenez bien à manger, installez-vous bien dans votre canapé, installez-vous bien avec n'importe quel que ce soit et regardez le top 5 des attractions en Europe partout. C'est un parc ouvert en 2013 d'une vingtaine d'hectares et 26 attractions. Voilà, ce parc attractions est un parc qui se place à la cinquième place, qui est top pour aller en famille autour de bonnes sensations. D'une petite surface avec les attractions les unes sur les autres, très bien intégrées dans le paysage. Fortement thématique. Voilà, ce parc d'attractions est un parc d'attractions de très grande qualité pour avoir plein de surprises en famille. Astérix, le deuxième de France avec 36 hectares et 36 attractions, plus gaulois des parcs qui mérite amplement la 8e place avec de nouveaux. Attraction, voilà, ce parc d'attractions est un parc avec de bonnes nouveautés, idéal à faire en famille. Parc d'attractions le plus ancien, moderne au monde à Cap-Nade, qui allie parc d'attractions et lieu de sortie, de restaurants, d'expositions, concerts, etc. Voilà, ce parc d'attractions est un parc pour y aller en famille, pour se régaler tout en s'amusant. L'attraction le plus grand au monde pour sa superficie de 202 hectares, construit sur une ancienne maison fortifiée avec 33 attractions, avec la montagne russe, avec le record d'immersion. Voilà, ce parc d'attractions est un parc d'attractions si vous aimez les grands parcs à sensations fortes. La vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et de pouvoir vous montrer le top 5 des attractions en Europe partout. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre de pouce bleu, activer la cloche pour ne rien rater de mes vidéos, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux que vous retrouverez à la fin de la page, à liker max de pouce bleu, à commenter en me disant si la vidéo vous a plu, quelle autre vidéo voudrez-vous que j'aborde, que ce soit de mode, de challenge de musculation, des voies de musculation, dégustation, des tops de quelque chose, que ce soit voyage, parc d'attraction, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut et prenez soin de vous.